Alors, salut, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager quelques business avec vous que vous pouvez déjà faire pour pouvoir gagner véritablement de l'argent à partir de n'importe où. Que vous vous retrouvez sur la planète Terre, vous pouvez le faire sans aucun problème. Alors, si vous ne me connaissez pas, que c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, moi je suis Ricardo Dosso, je suis un crypto trader et au travers de ma chaîne, je partage les idées de business, je partage les opportunités que vous pouvez avoir au niveau des crypto-monnaies avec vous pour que vous-même puissiez en saisir et gagner de l'argent avec. Alors, ce que vous allez faire premièrement, qu'est-ce que vous allez faire? C'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos parutions. En dehors de ça, dans la description de la vidéo, je vais laisser un lien Telegram pour que vous puissiez rejoindre ce forum. Pour que nous puissions parler des opportunités, mais notamment des crypto-monnaies, puisque c'est un programme, c'est un forum spécialement pour les crypto-monnaies. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ce que nous voulons développer aujourd'hui avec vous, c'est quoi, les amis? C'est les différents business que vous pouvez faire pour pouvoir gagner de l'argent. Et j'ai déniché trois business que vous pouvez faire, que moi-même j'ai déjà expérimenté personnellement, et j'ai des amis qui l'ont également expérimenté, et beaucoup se sont fait de l'argent avec. Y compris moi-même, mais ce qui a beaucoup plus marché pour moi, je vais vous le dire, et vous-même, vous allez décider de voir dans quelle mesure vous pouvez choisir un business et vous lancer dedans parmi les trois. Alors, le premier business que je m'en vais vous présenter est le business du dropshipping. Alors, le dropshipping, c'est un business qui est assez intéressant. Je vais vous expliquer ce que c'est que le dropshipping pour que vous puissiez comprendre. Alors, le dropshipping, c'est un business de commerce. C'est du commerce, je peux dire. Alors, vous créez un site, vous voyez un site e-commerce, vous laissez le site là et vous allez dénicher un produit, vous voyez. Donc, je suppose que vous décidez de vendre, par exemple, comment on dit, je peux prendre, par exemple, une montre. Vous voyez, vous décidez de vendre une montre. Et lorsque vous décidez de vendre cette montre, vous n'avez pas la montre. Donc, il faut que vous allez acheter la montre pour pouvoir déposer la montre. Lorsque les gens vont venir vers vous, vous allez pouvoir leur revendre cela et avoir votre gain et les bénéfices avec. Mais ici, c'est quoi? Vous n'avez pas besoin d'avoir le produit. Non, vous n'avez pas du tout besoin d'avoir le produit. Il suffit juste que vous allez sur un site du nom de AliExpress. Lorsque vous allez sur ce site, vous allez dénicher les fournisseurs qui proposent les montres que vous voulez et vous allez voir le bon fournisseur qu'il vous faut. Donc, vous choisissez un bon fournisseur parmi eux et vous négociez avec lui. Et maintenant, vous allez prendre les images de cette montre-là que vous viendrez mettre sur votre site à vous. Et lorsque vous mettez les images de cette montre sur votre site, vous faites la publicité autour pour que les gens soient intéressés. Et lorsqu'ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maintenant demander à acheter le produit. Donc, ils vont lancer les commandes, ils vont acheter. Et en retour, dès qu'ils lancent les commandes, vous allez pouvoir envoyer les commandes qu'ils ont eu à faire sur votre site à votre fournisseur. Et le fournisseur, lui, maintenant, il va en même temps traiter la commande en envoyant maintenant le produit fini à votre client qui est passé sur votre site pour faire la commande. Et en même temps, vous avez déjà fait votre marge. Le fournisseur est déjà aussi payé tout et tout. Vous voyez? Donc, c'est un business clean que vous pouvez faire, les amis. Maintenant, ce qu'il y a dans ce business, c'est que vous devez être vraiment au parfum des nouveautés parce que c'est un business qui est changeant chaque fois. Vous voyez, il y a la publicité Facebook qui est là maintenant que vous pouvez utiliser, mais Facebook s'actualise souvent. Donc, vous devez être au parfum des actualités qui sont dans ce domaine-là pour pouvoir être vraiment aux aguets, pour ne pas rater les informations et entrer dedans et faire des choses où vous allez investir, vous n'allez pas pouvoir gagner de l'argent. Vous voyez, et moi, je vous recommande, si vous avez les moyens, vous pouvez le faire. Mais il faut aussi venir dans ce business en ayant un peu les moyens. Parce que ce n'est pas un business où vous pouvez venir commencer avec 100 000, avec 200 000, avec 300 000. Non, 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 non. Le dropshipping, ce n'est plus à cette étape-là. Vous devez avoir un budget consistant. Et le minimum que je peux vous recommander pour le dropshipping, les amis, il faut préparer au moins 2 millions. Il faut préparer au moins 2 millions, soit 3 000 dollars. Vous voyez, vous réservez au moins 3 000 dollars, 3 500 dollars pour le dropshipping. Vous voyez, et vous pouvez commencer avec. Alors, c'est un business qui a assez de potentialité, hein, c'est pourquoi je partage ça avec vous. Maintenant, le second business en dehors du dropshipping, nous allons voir le second business. C'est quel business que je vais partager avec vous? C'est l'e-commerce en Afrique. Alors, moi-même qui suis ici, j'ai déjà eu à faire l'e-commerce en Afrique, je le fais encore, toujours.
Alors, c'est un business qui est aussi intéressant, qui ne nécessite pas assez de moyens, un peu comme le dropshipping, mais il vous faut être un peu sérieux pour pouvoir gagner véritablement de l'argent dans ce business-là. Alors, comment vous allez faire? Vous allez acheter les produits auprès de quelqu'un qui est un grossiste. Vous voyez, peut-être dans votre pays, vous pouvez le faire dans votre pays. Vous allez voir un grossiste dans votre pays et vous allez créer un site, soit une page Facebook. Vous allez faire la publicité sur la page Facebook, envoyer les gens sur ça pour qu'ils viennent voir vos produits et ils vont pouvoir acheter le produit chez vous. Et vous pouvez également mettre un système de livraison à côté où vous faites la livraison et les gens viennent et ils vous payent lorsque vous faites la livraison. Et en même temps, ils payent le prix du produit aussi. Vous pouvez faire ça, ou soit vous, si vous avez un peu plus de moyens, vous allez au niveau de toujours à AliExpress, ou bien vous commandez depuis la Chine et ils vont vous envoyer ça dans votre pays et vous allez pouvoir revendre cela à bon prix. Là aussi, c'est aussi intéressant parce que vous avez la possibilité de vous faire assez de marge lorsque les produits viennent de la Chine, puisque les produits qui viennent de la Chine, bon, il y a les produits de bonne qualité, de basse qualité, vraiment des produits médiocres. Donc, il faut miser sur la qualité des produits, les amis. Miser sur la qualité des produits. Et là, vous allez vous faire assez de marge. Même si vous haussez le prix des produits, les gens ici voient que c'est de la bonne qualité. Vous pouvez vendre. Parce que si je prends, par exemple, les AirPods, par exemple, vous voyez, vous allez voir, il y a plusieurs types. Il y a pour 3 000, il y a pour 5 000, il y a pour 10 000. Et si je peux vous dire, par exemple, en Chine, si vous devez acheter ce qu'on vend ici en Afrique à 15 000, par exemple, en Chine, vous pouvez acheter ça là, par exemple, à 5 000 francs. Hein, vous pouvez acheter l'unité à 5 000 francs. Donc, après, avec les frais douaniers, tout et tout, vous revenez ici, vous devez faire. En tout cas, vous pouvez tout faire. Vous allez avoir au moins un 5 000 francs de bénéfice sur ça, si on peut dire comme ça, même plus. Vous voyez? Donc, il y a ça qui est aussi intéressant. Vous pouvez le faire assez de mal. Et il y a d'autres produits, les boucles d'oreilles, les chaussures, en tout cas, pas mal de chaussures. Tout si vous voulez vous lancer dedans. Il faut prendre les produits pour femmes. Les femmes, elles aiment acheter. Donc, elles ne lésinent pas sur les dépenses côté beauté, côté se rendre belle. Vous-même, vous connaissez les femmes. Donc, elles le font parfaitement et bien. Donc, je vous recommande de choisir souvent des produits pour femmes pour pouvoir gagner assez de l'argent là. Alors, en dehors du drop et de l'e-commerce en Afrique, il y a l'autre que vous pouvez commencer également qui est très intéressant et dont je suis actif dedans, c'est le business des crypto-monnaies. Alors, vous pouvez vous lancer dans les crypto-monnaies à partir d'un minimum, mais au niveau des crypto-monnaies, vous devez savoir que soit vous êtes un trader des cryptos, soit vous êtes un holder. Mais pour pouvoir gagner de façon quotidienne, il faut être un trader. Lorsque vous faites le trading des crypto-monnaies, vous avez chaque jour au moins des gains que vous gagnez lorsque vous savez si bien faire. Vous comprenez un peu. Et c'est ça qui est aussi très, très intéressant. Et je vous recommande de faire véritablement pour le trading des crypto-monnaies. Et là, vous avez la possibilité de rapidement gagner de l'argent. Oui, de rapidement gagner de l'argent sans aucun problème. Donc, je vous convie à cela aussi. Et d'ailleurs, nous avions mis en place une formation qui est destinée à tout le monde sans exception. Vous pouvez suivre cette formation, c'est à un prix très très accessible. Donc, dans la description de la vidéo, je vais mettre le lien de notre forum. Rejoignez-nous, nous allons commencer la formation le 11 prochain. Donc, vous allez suivre cette formation pour avoir les bases nécessaires pour pouvoir véritablement gagner de l'argent dans ces différents business-là. Et la formation que nous avons mise en place, je vous ai dit, c'est une formation en trading des crypto-monnaies. Donc, vous allez pouvoir vous former de façon véritable et vous n'allez plus perdre votre argent lorsque vous décidez de mettre votre argent dans les crypto-monnaies, les amis. Et en dehors de ça, nous allons également partager des pépites avec vous pour que vous puissiez profiter de ces pépites-là pour pouvoir faire de l'argent, les amis. Donc voilà les différents business que j'ai voulu partager avec vous. Si vous avez aimé, merci de pouvoir partager cette vidéo autour de vous, à vos amis, à vos connaissances, pour qu'ils puissent saisir ces opportunités et se faire de l'argent de façon véritable et en ligne. Donc voilà les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir de nouvelles vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes qui verront ces vidéos-là. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt pour un nouveau numéro. Ciao, ciao les amis. Bye.